unis en mariage, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Enfin réunis, et d'une manière très romanesque, grâce à une petite annonce matrimoniale. Sauf que les gens qui utilisent les petites annonces sont des idéalistes. On s'incline, ils s'efforcent de transformer leur vie. Et dans ces cinq lignes qui passent des heures à rédiger en pensant à chaque mot, s'efforcent de tout mettre. Leurs espoirs, leurs rêves. Ceux qui l'ont approchée se souviennent d'elle. Si j'étais aveugle, je passerais mon temps à caresser ton visage. Ton corps aussi. Si j'étais sourd, j'apprendrais à lire sur tes lèvres, comme ça. Un couple d'amants, unis et désunis. Déchirés. Aucune femme ne mérite d'être aimée comme ça, je suis indigne. Et pourtant inséparable. Mais ce que je sais, c'est que je peux pas vivre sans elle. Moi, à votre place... Vous pourriez pas être à ma place. Ce genre de choses vous serait jamais arrivé. Vous n'êtes pas de cette race. Moi, si. À cause d'une autre femme. Ou à cause d'un autre homme. Ou de plusieurs hommes. Cet homme te hait. Je ne le déteste pas. C'est l'homme que je hais le plus au monde. Alors tu vas pas d'ici sans elle. Tu partiras pas. Et qui m'en empêchera? Toi? Un couple d'amants se déchire. Pourquoi? À cause de l'argent. Où est l'argent? Avec l'argent, on a tout ce qu'on veut. On a la considération. Si on a des ennuis, on peut se payer un bon avocat. Et puis ça peut aider pour avoir la Légion d'honneur. D'un meurtre. Je suis venu pour vous tuer.